Urgence signalée. Les cyber-résistants patriotes et panafricains sont la cible de la voyoucratie occidentale. Ils sont harcelés, subissent la disqualification sociale. En voici une des preuves. En effet, la CPI, temple de la voyoucratie occidentale, y fait allusion par le biais de son procureur. Écoutons. Monsieur le juge, j'avais envoyé un courriel que je viens d'envoyer en fait également aux équipes de la Défense. Mais j'ai aussi un imprimé du compte Facebook ici. Et nous surveillons les réseaux sociaux pour des raisons de sécurité, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que nous faisons, mais ce que je peux vous dire, c'est aussi en fait une habitude que nous avons prise dans l'affaire Kenya, quand on a des blogueurs, des journalistes qui s'improvisent, des journalistes improvisés, donc des membres du public improvisés qui suivent soit dans la galerie, soit sur Internet et qui font des commentaires en direct en envoyant des informations par tweet sur ce qui se passe ou ne se passe pas pendant la procédure. Et il semble maintenant. Donc, nous avions souvent surveillé cela avec les témoins 9, 10 et 11. Cyber-résistants, patriotes et panafricains, malgré le fait que nous soyons la cible de la voyoucratie occidentale par le biais de harcèlement subi et de disqualification sociale, restons sereins, la lutte continue, on va aller jusqu'au bout.